Yeah. Naïve, fragile, sans les notions et malhabile. On dit qu'elle s'arrête des inhibitions et maladives. Elle limite et puis les rapports séries. Dans les mots, sont de tous les mecs sur elle. Sa livre de plaisir, elle se prive. Elle y arrive, elle n'a pour ainsi dire aucune conscience de son jeune corps. Ils peuvent lui demander ce qu'ils veulent, elle est d'accord. Il entre en elle, sans se préoccuper de ce qu'elle ressent. Elle se dit cependant qu'aujourd'hui encore, il n'a pas le temps. Qu'il aimera peut-être sincèrement une autre fois en attendant. Elle se montre encore plus docile. Il paraît que les gens ont peur d'aimer, que c'est plus facile. Si pendant qu'il essaie, on se tient tranquille. Elle ne demande qu'à croire ce qu'on lui confie. La totale confusion dans son esprit. Alors, ces jeunes gens prolifèrent dans son lit. Il la souille de leur pensée, mais elle ne s'en soucie. Il la souille de leur pensée, mais elle ne s'en soucie. Guerre, yeah. On peut être en toi sans violer son intimité. C'est ce que disait son beau-père. Un peu trop crédible, accessible et sensible. Elle veut le réconfort des quelqu'un qui comprennent que sa quête est pénible. Elle voudrait se donner entièrement, être aimée sans savoir ce qu'elle sait vraiment. Pouvoir abonder à un autre ce qu'elle attend, ce qu'elle entend. C'est Christ qui vient qui vient de dedans. C'est un appel qu'elle prétend ne pas pouvoir analyser précisément. D'aucuns diront que c'est une fille facile. Je dirais qu'elle est fragile et qu'il lui faut de l'attention. Pas le mépris d'un imbécile. Si elle s'écrit avec deux ailes, c'est pour s'envoler. Si elle est la première lettre du mot liberté. Si elle, je ne l'entends pas, je souffre de surdité. Si je veux la briser, je ne suis pas digne de l'humanité. Si elle s'écrit avec deux ailes, c'est pour s'envoler. Si elle est la première lettre du mot liberté. Si elle, je ne l'entends pas, je souffre de surdité. Elles enchaînent négligeant les sous témoins, la plus sympathique. Celle lui rentre dedans, lui sait qu'elle se sert du haut de ses 18 ans. N'a pas encore le temps de goûter aux fruits défendus par ses parents. La porte claque, la rite ne rattrape flanc. Elle met de son côté ses atouts qui font d'elle les jeunes femmes des plus convoitées. Et elle n'est pas à son premier amoureux. Elle trouve que faire l'amour c'est partagé, c'est tellement merveilleux. Ses yeux plongés dans ceux de celui qu'elle aime. Elle s'abandonne totalement, car celui la l'aime. Yeah, yeah. Ce n'est pas le premier, pas le dernier. Ceux qui la rencontrent sont subjugués par tant d'éveil et de beauté. Et elle est vraie, agit sur eux de manière intrinsèque. Il la respecte, ce fait, je souhaite à tous les gars de croiser sur leur route un être qui a de telles qualités. Yeah, yeah. C'est une chose inhérente à chaque individu. Si il n'est pas cloisonné dans la subjectivité de la vertu. Elle veut respirer, elle veut grandir. Si tu la laisses tranquille, elle pourra vivre. Elle pourra vivre. Yeah, yeah. Si elle s'écrit avec deux ailes, c'est pour s'envoler. Si elle est la première lettre du mot liberté. Si elle, je ne l'entends pas, je souffre de surdité. Si je veux la briser, je ne suis pas digne de l'humanité. Si elle s'écrit avec deux ailes, c'est pour s'envoler. Si elle est la première lettre du mot liberté. Si elle, je ne l'entends pas, je souffre de surdité. Si je veux la briser, je ne suis pas digne de l'humanité. J'en ai assez de voir les femmes déjeunerées traitées comme des sous-êtres nés pour unique droit que celui de la fermer. J'en ai assez d'entendre le mal prétentieux disserter sur les pratiques sexuelles de mes sœurs. J'en ai assez, j'en ai assez. Il dit qu'elle ne se respecte pas, il croit que lui se respecte en la salissant de la sorte. Tu fais pas de croûte quand tu te comportes ainsi, oui. Vis ta vie, mais sache que nos sœurs, nos mères la vivent, l'ont vécu aussi. Mais sache que nos sœurs, nos mères la vivent, l'ont vécu aussi. Oui, oui, oui. J'en ai assez. Je n'ai rien contre l'abstinence ni contre l'exaltation des sens. Que les gens fassent leur choix s'ils le peuvent et qu'ils avancent. J'en ai assez. Si l'homme dirige le monde, qu'il le fasse à la femme pendant une seconde. Si l'homme se croit des droits, qu'il a le droit à sa moitié à la seconde. J'en ai assez. Parmi toutes les minorités, elle est majoritaire et se fait écraser. C'en est assez, c'en est assez. Si, 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 l'esclavage est aboli. Hein? Qu'on ait toutes les filles de cachot qui se prostituent pour 5 francs à Delhi. Blah. Si elle s'écrit avec deux ailes, c'est pour s'envoler. Si elle est la première lettre du mot liberté. Si elle, je ne l'entends pas, je souffre de surdité. Si je veux la briser, je ne suis pas digne de l'humanité. Si elle s'écrit avec deux ailes, c'est pour s'envoler. Si elle, je ne l'entends pas, je souffre de surdité. Si elle est la première lettre du mot liberté. Si je veux la briser, je ne suis pas digne de l'humanité. Si elle s'écrit avec deux ailes, c'est pour s'envoler. Si elle, je ne l'entends pas, je souffre de surdité. Si elle est la première lettre du mot liberté. Si je veux la briser, je ne suis pas digne de l'humanité. Si je veux la briser, c'est que je nie la part d'elle qui en moi est dissonante.